Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente donc le tuto pour le petit bonnet. Donc vous avez déjà la brassière, ça sera un tuto supplémentaire aussi. C'était pour vous montrer le petit ensemble que je suis en train de confectionner. Là, aujourd'hui, c'est un tuto pour le petit bonnet. Donc là, moi, je l'ai fait dans ce. Pour moi, c'était ça que je voulais obtenir. Donc, un petit bonnet très court, style marin, avec une petite rosace du haut des diminutions. Donc, ça donne un petit charme supplémentaire. Ce bonnet-là peut aussi bien, hop, soit vous descendez un peu la bordure, ça lui donne un autre style, ou pas du tout de bordure, et vous le mettez tel qu'il est, comme ça. Simplement. Ok? Très simple, que du point mousse et des diminutions. Rien de compliqué. Et je me suis rendu compte à l'instant. Alors, on va commencer déjà par la laine. C'est de la laine 3-4, comme j'ai l'habitude de tricoter. Et j'ai utilisé. Hop, parce que j'ai pas. Numéro 3. Donc des aiguilles numéro 3, parce que j'ai pas mon petit sachet. Et sur mon écrit, hein, comment je vais faire ça? Sur mon écrit, hein, je me suis trompée. J'ai marqué aiguille 2,5, parce que j'étais partie dans ma petite tête, cherche un crayon, j'étais partie dans ma petite tête à vouloir faire un 2,5, et c'est numéro 3, je suis désolée, hop, ça va être plus propre, parce que un peu brouillon, là. Hop, c'est l'aiguille 3. Donc, sur toute la vidéo, vous allez voir 2,5, mais c'est pas 2,5, c'est 3. Ok? Je me suis trompée. Enfin, j'étais partie pour faire du 2,5, mais je trouvais que c'était énorme. Nombre de mailles à tricoter. Donc, du coup, je l'ai fait en 3. Donc, voilà. J'ai dû dire en plus, sur tout le long de la vidéo, que j'étais en 2,5. Enfin, c'est aiguille 3. Je rectifie. Donc, aiguille numéro 3, ça se tricote sur des aiguilles droites, tout à fait normal. Il se tricote donc la première partie. Donc, il se tricote en deux parties. La première partie, parce que vous voyez, les points mousse ne sont pas comme ça. Ils sont comme ça. Donc, on va tricoter cette partie-là. Et après, on va monter les mailles et on va tricoter ici. Il se tricote en deux façons. La seule couture qu'il y aura, c'est ici. Comme toutes sortes de, en fait, bonnets qu'on a l'habitude de tricoter. Il n'y a rien de compliqué. C'est très simple, que du point mousse. Tout simplement. Donc, pour ceci, on va commencer à monter 20 mailles. Donc, sur la numéro 3. Donc, ça se tricote tout au point mousse, que je dis pas de bêtises, voilà. Vous allez tricoter, donc monter déjà 20 mailles, et on va commencer le point mousse. Et suivez bien les instructions, tout est expliqué. De A à Z, pas à pas, il n'y a rien de compliqué. Suivez bien, écoutez bien, regardez bien et vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire. Je vous dis à tout de suite pour le tuto. Donc voilà, pour commencer le bonnet. On va partir sur donc des aiguilles 2,5, de la laine 3-4,
tout se tricote au point mousse. Hein, et donc, il y aura... J'ai monté 20 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, j'ai monté 20 mailles. Et donc, on tricote tout au point mousse. Donc, tous les rangs à l'endroit. Et je reviens vers vous pour vous dire à quel moment s'arrêter. Pour pouvoir faire la suite. Donc, 20 mailles qu'on tricote comme ceci. Je sais pas combien de rangs que ça va donner. Je l'ai première fois que je le tricote. Donc vous aurez les détails au fur et à mesure. Hop. Donc on se retrouve et je vais vous expliquer où s'arrêter. Et comment compter pour être sûr d'avoir bien correctement ce qu'il faut pour pouvoir faire la suite. Je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, j'ai tricoté. Donc, je vais vous montrer comment j'ai compté pour m'arrêter. Donc, mon fil de démarrage, je l'ai mis en haut. D'accord ? Et je vais compter mes petites boules jusqu'à la dernière qui est ici à ras d'aiguille. Donc, j'en ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 80, 83, 84 et... Ma maille ici, ça fera 85, donc il m'en manque encore une. Donc voilà, j'ai compté donc de mon fil à ici, j'ai 85 boules. Excusez-moi. J'ai mes 85 petites boules. Pourquoi j'ai compté 85 petites boules ? Ben, tout simplement parce que ces boules-là vont me permettre de reprendre, de remonter mon travail. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je veux que mon fil soit... Là, je vais rabattre les mailles pour que mon fil se retrouve ici, au même endroit que mon fil de démarrage ici. Donc, j'ai le nombre de boules que je voulais, donc 85. Et je vais rabattre les mailles. Sauf la toute dernière maille de mon aiguille. On commence à faire des bêtises déjà.
Hop. Et cette maille-là, je la termine pas, je la garde sur mon aiguille. Je vais la tirer un peu pour pas la perdre. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai et ma dernière maille, elle est là-haut. Je l'ai pas enlevée, je l'ai pas terminée, je la laisse comme ça. Je prends ici, donc mon fil de démarrage se retrouve en haut. Et ici, je viens chercher la petite boule. Hop. Et je vais remonter toutes les mailles. Quoique, on pourrait peut-être faire ça. Ça va être un peu chiant, ça. Faut que je remonte toutes les mailles. Donc, sinon, je suis obligée de faire ça comme ça. Niguédille. Parce qu'après, je vais tricoter un rang. Donc, ça va être un petit peu long. Le remontage des mailles. Si je mettais mes lunettes, je verrais peut-être mieux aussi. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et ma maille 86. Je me retrouve avec 86 mailles sur mon aiguille. Ok. Une fois que j'ai mes 86 mailles, on va tricoter tout simplement le rang. Moi, c'est ma maille lisière. Même si on change de sens. Et on va tricoter tout le rang à l'endroit. Et on va tricoter. Voyez ce que ça donne. Hop. Ah, faut pas que j'éperde. Ah, des boulettes encore. Oh, en ce moment, je fais que des bêtises. On va essayer de rattraper ça. Hop. Ça a l'air d'être bon. Voilà ce que ça donne. Si vous voyez. Hop. Donc on va tricoter 4 rangs tout au point mousse, bien sûr, parce qu'on ne change pas de point. Donc là, c'est mon premier. Je tourne mon travail, je fais un deuxième rang. Je tourne mon travail, je fais un troisième rang. Je tourne mon travail et on fait un quatrième, quatrième rang ou trois rangs. 1, 2, 3, 3 rangs. On va tricoter 3 rangs. Il faut qu'on se retrouve quand on a fini notre travail ici. Donc, à tout de suite. Donc, nous voici. Alors, j'ai fait mes 3 rangs, donc me voici, mon fil de pelote qui est là. Je vais faire un récapitulatif. Donc, c'est une aiguille 2,5, la laine 3,4, tout est au point mousse. Donc, j'ai monté, donc la première partie qu'on a fait ici, c'est 20 mailles. On a tricoté, donc j'ai compté avec vous, devant vous, 85 boules, plus une maille, celle que j'avais pas rabattue. En tout, on monte les 86 mailles et on tricote 3 rangs mousse. Jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà ce que ça donne. Ok. Hop, et à l'envers, voilà ce que ça fait. Donc, maintenant, on va commencer les rangs de diminution pour former le bonnet tout au point mousse. Donc, une fois que vous avez fait ceci, on se retrouve pour commencer les diminutions. À tout de suite. Donc, on va commencer les diminutions. Hop, je vous ai un peu caché tout ce que j'ai préparé. Premier rang, une maille lisière. On va tricoter 10 mailles et on va faire 2 mailles ensemble. Hop. Donc ça sera le premier rang des diminutions. Bien.
ma maille lisière, 10 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ok? Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Je prends les 2 mailles ensemble et je les tricote à l'endroit. C'est ma première diminution. De là, je tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble et on va faire comme ceci jusqu'à la fin du rang. Donc, on va prendre 2 mailles qu'on tricote à l'endroit et on continue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble. À l'endroit. Et on continue. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9 et 10 et 2 mailles ensemble. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 2 mailles ensemble. Et on finit par une maille. On tourne notre travail. Et là, on fait un rang tout au point mousse. Hop. Ici. Une fois qu'on a fait un rang de diminution, on fera toujours un rang tout à l'endroit. Hop. Y a rien de compliqué. Ça, c'est le rang numéro 2.
Le rang numéro 3. Donc. Hop. Une maille lisière. D'accord. Et on compte 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2 mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 et 9. 2 mailles ensemble. 8 et 9, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 et 9. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8 et 9. 2 mailles ensemble. 1 maille. On tourne notre travail et on fait un rang au point mousse. Ça sera le rang numéro 4. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Une lisière, 9 mailles. 2 mailles ensemble et le rang numéro 4 qui est là tout au point mousse et on se retrouve. Donc on continue. Donc on a fait le rang numéro 4. On va faire le rang numéro 5, 8 mailles, 2 mailles ensemble et le rang numéro 6 tout au point mousse. Donc, une maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 2 mailles ensemble. Huit mailles, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et deux mailles ensemble. Je commence à serrer. Et une maille. Je tourne mon travail et le rang numéro 6 tout au point mousse, donc tout le rang à l'endroit. Une fois fini le rang numéro 6, on se retrouve. Le rang numéro 7, une maille lisière, 7 mailles, 2 mailles ensemble et le rang numéro 8 tout au point mousse. Donc, on est reparti. Une maille lisière, 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7, 7, 2 mailles ensemble. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 2 mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept, deux mailles ensemble. Une,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, deux mailles ensemble. Et on termine par une maille. Je tourne mon travail, donc le rang numéro 8, tout à l'endroit. Et une fois tricoté le rang numéro 8, on se retrouve. Le rang numéro 7, donc j'ai toujours mon fil ici. Donc une maille lisière, une. Donc le rang numéro 9, une maille lisière, 6 mailles, 2 mailles ensemble et tout au point mousse. On a fini le 8, on passe au 9, 6 mailles, 2 mailles ensemble, et le rang numéro 10, tout au point mousse. Donc une maille lisière, une maille, 2, 3, 4, 5 et 6, hop, 2 mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq et six, deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq et six, deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq et six, deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq et six, deux mailles ensemble. Et une. Je tourne mon travail. Donc le rang numéro 10. Hop. Tout à l'endroit. Et on se retrouve pour le rang numéro 11. Le rang numéro 11. Hop. Une maille lisière, 5 mailles, 2 mailles ensemble. Et tout au point mousse pour le rang numéro 12. Hop. Une maille lisière, une, deux, trois, quatre, cinq, deux mailles ensemble, une, deux, trois, quatre, cinq, deux mailles ensemble.
1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, deux mailles ensemble. Ah, bah alors. Une, deux, trois, quatre. 5. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq et deux mailles ensemble. Une maille. Je tourne mon travail. Donc là, on attaque le rang numéro 12, tout à l'endroit. Une fois fini le rang numéro 12, on se retrouve. Le rang numéro 13. Hop. Le rang numéro 13. On fait 4 mailles, 2 mailles ensemble et le rang numéro 14 tout au point mousse. Alors, hop. Une maille lisière. Quatre mailles. Une, deux. 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 mailles, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles ensemble. Une maille lisière, la dernière maille. On tourne notre travail et on va faire tout le rang à l'endroit. Donc le rang numéro 14. Une fois que vous avez fait le rang numéro 14, on se retrouve. Une fois fini le rang numéro 14, on va faire le rang numéro 15. Une maille lisière, 3 mailles, 2 mailles ensemble et le numéro 16 tout au point mousse. Donc une fois qu'on a fini, on tourne notre travail. Hop. Et il y a un nœud.
on va faire une maille lisière, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. Mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, une, deux, trois, deux mailles ensemble, une, deux, trois. Deux mailles ensemble, une, deux, trois, deux mailles ensemble, une, deux, trois, deux mailles ensemble. Une, deux et trois, deux mailles ensemble. Ah, j'ai perdu ma maille. Et on termine par une maille. On tourne notre travail et on va tricoter tout le rang au point mousse. Donc c'est le rang numéro 16. Une fois fini le rang numéro 16, on se retrouve. Le rang 17 et le rang 18. Le rang 17, donc, il y aura deux mailles ensemble. Le rang 18, tout au point mousse. Donc, une maille lisière, une, deux mailles ensemble. Une, deux, 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 deux mailles ensemble. Et on termine par une maille toute seule. On tourne notre travail et on tricote tout le rang, donc le rang numéro 18, tout au point mousse. Une fois fini le rang, on se retrouve pour le rang numéro 19. Le rang 19, une maille lisière, deux mailles ensemble, et le rang numéro 20, tout au point mousse. Donc, ça veut dire une maille lisière, deux mailles ensemble. Encore un peu trop serré, moi.
deux mailles ensemble et on va faire comme ça tout le long du rang. Deux mailles ensemble. 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 Et deux mailles ensemble. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Donc on tourne notre travail. On tricote les mailles qui nous restent. Hop. Et on va garder un peu de fil pour la couture. Je prends une aiguille. Et là, je vais récupérer, passer mon aiguille dans chaque maille. Voilà. Je passe le fil à l'intérieur. Et je resserre le tout. Donc, hop, je viens le réinsérer ici. Hop. Et on serre bien. Voilà ce que ça donne. À partir de là, donc je suis ici. Je viens récupérer la petite boule ici. La petite boule là en face. Et on va coudre ceci jusqu'en bas. Et une fois fini votre couture, on se retrouve. Donc voilà ce qui donne, une fois fini, la couture. Tout simplement. Donc bah élastique, hein, comme vous voyez, hein, c'est du point mousse. Donc, et le haut du bonnet donne ceci. Alors, on peut lui faire aussi bien comme un petit bonnet de marin. Hein. Voilà, petit bonnet plat, juste posé sur la tête. Moi, je trouve ça super mimi. Hein. Donc, voilà. Ou le mettre comme un bonnet tout à fait
normal, tout au point mousse, très facile à faire. Moi, j'étais partie surtout pour faire un petit bonnet plat. Hop. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donnerait. Donc, vous le portez, enfin, vous le mettez comme ça vous arrange, soit un bonnet tout plat, le bonnet très ras, comme les petits marins, voilà. Ou vous descendez un petit peu, hop, la petite bordure ici, hein, et ça vous fait encore un autre, style de bonnet. Donc avec un bonnet, on a plusieurs styles de bonnets à porter. Trois styles en un. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Le prochain tuto, ça sera le chausson qui va avec le bonnet, vu que c'est dans le même style. Vous voyez, le point mousse dans ce sens-là et le point mousse dans ce sens-là. Donc, le bonnet et le chausson. Hop. Donc, ça sera le prochain tuto. Moi, je mets de la mousse dedans, alors c'est pas évident de les faire tenir. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.